La Rosita Ndongo. Nous allons parler aussi le côté. Voilà ma copine, mon amie d'enfant, la Rosita Ndongo. Quand on a connu les hommes au même moment, la tribu, il fallait voir comment on faisait souvent. Les gars nous ont concassé le cerveau. Hein. Maintenant, je suis devenu du comme on dit, je vais j'ai travaillé ça, ma. Ah, mon maman, moi, versus l'âme pour un homme qui pleure. Parce qu'elle fait jamais de la vie, mon frère. Jamais de la vie. Oh! Si t'es pas dit que ma Guinness qui est au frigo là. J'ai dit, hein. Mais tant moi, c'est pas ça avec le bras comme ça. Si t'es préparé. Tant moi, avec le bras. Attends, mais t'es un truc. Même, elles vont capturer ton bras, ma copine. Ma co, elles vont capturer ton bras. Mais baisse-toi, c'est pas en bas de la table ici. Tu vas prendre en bas. Baisse, tu es là. Mais c'est pas en bas, sur la table, sur la porte. Hein? Ma copine, oui, ma co. Non, il y a une qui est encore fermée, tu n'as pas vu. Oui. Il y a une qui est ouverte. Ah. Tu as ouvert. Non. Voilà, ma co, envoie-moi ça, ma copine. Ma fongonfi, ma sœur chérie, oh, ma sœur chérie, ma fongonfi. Floriane, bonjour. Ma fongonfi, donne ici. Merci. Merci, ma co. Ma fongonfi, ouais, comment je bois? On dit que tata Lolo, c'est une alcoolique. Moi, je bois, je peux boire la Guinness même 5 jours. 5 jours, merci, ma choco. Voilà ma copine, la Rosita Ndongo. Nous avons grandi ensemble. Mais les gars nous ont concassé. Là, c'est sa part qu'on appelait MC Jackson, hein, ma co. MC Jackson. Les gars nous ont concassé. Mais maintenant, ils sont devenus les gringos. Tu viens là, tu pars. Mais moi, de tête, non, tu pas le temps. Maintenant, là, mes gars et moi sommes les copains, nous sommes les amis, nous sommes potes, on s'entend bien. Mon gars, maintenant, c'est mon ami, c'est mon pote. Voilà. Merci beaucoup, Jirès, Carole. Hey. Le président est dans le petit livre à Babalé, c'est là que tu es où tu... T'as quoi à la voix? Jirès, on vient à compter ta maison un jour. N'est-ce pas que je vais filmer ton mari, mais sur Facebook, hein. Mon beau frère, c'est pas que yeah. Le mari de Julien était passé, il nous dit que waouh! Il a choisi une façon de crier là que ouais! La fille est partie au conseil, elle est devenue. Eh, Floriane, Julien est devenue reporter, maman. Elle est devenue journaliste, mais plus que moi. Elle est devenue l'animateur du conseil de Carré Fosso. Elle a parlé avec Claudicia. Elle m'a donné les noms, mais j'ai encore demandé que maman. Tu as parlé avec les gens à quel moment, Mako? Tu as fait une heure, pardon, pas. Ouah! Non, la fille, oh, ma sister nous dit, il faut que bonsoir. Non, franchement, la fille, elle est forte, maman. Elle a déjà fait. N'oubliez pas le 18. Le 18, mais nous sommes à la salle ou à la Rabat pour aller soutenir la. Comment on appelle ça? Jaguar Motame, le groupe de danse. C'était quoi encore que j'ai dit là? Les danses de la diaspora, non? Le groupe de danse là. À un moment, la Guinée me dépasse. Je peux boire comme ça. Mais tu as vu, hier j'ai bu un peu, gars. C'est resté des nuits. Ici. J'ai bu les 1/4. Donc je bois un peu. Je bois pas beaucoup. Je goûte. T'attends, Lolo? Nous ne tournons pas. Comment va ta copine? Doumé Flor, merci beaucoup. Le ballet de la diaspora, c'est le 18 mai. Allons soutenir, nous maintenant les Camerounais. Faisons comme les Congolais. Les Congolais soutiennent tout ce qui est la culture congolaise. Ils sortent en masse. Vous avez vu les Congolais aller soutenir Ferré Ngola. Ils ont dit que Fally Poupa n'est pas le seul. Au Congo, nous avons des stars. Parce que les Camerounais, vous êtes dans la discrimination. Ils ont dit qu'au Congo, chaque star congolaise qui sort, qui vient en Europe, pour un concert, pour un grand événement, ils sortent en masse pour montrer au monde entier que la musique congolaise ne s'arrête pas seulement sur Fally Poupa. La musique camerounaise congolaise s'arrête sur beaucoup d'artistes. Il y en a plein. Qu'après Fally Poupa, il y a des Fally Poupa, il y a des Koffi Olomide, il y a des Papa Wemba, il y a des tout ça. Donc vous allez voir comment Ferré Ngola est arrivé, il a rempli la salle d'Adidas, ou c'est Arena, ou c'est Adidas. Donc c'est ça, et l'esprit patriote en vous. Soutenons notre culture hors de nos frontières.
Ça doit être une obligation pour chaque Camerounais. Regarde, s'il y a un événement comme le ballet de la diaspora qui aura lieu le 18 à la salle de la Rabat à Paris, sortons massivement pour aller soutenir. C'est en sorte que les Européens nous respectent. Ça va rester dans l'histoire. Que le ballet de la diaspora était ici, ça c'était un groupe de culturel camerounais. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ne restez pas dans vos maisons. Apprenez à sortir. Bientôt c'est l'été. Vous restez là-bas, vous devenez aigri. Vous devenez sorcière. Vous devenez jalouse. Vous devenez méchante. Parce que vous ne sortez pas vous épanouir. Sortez, c'est un samedi. Arrivez là-bas, on va danser, on va regarder. Ça, ça va nous rappeler le Cameroun. Ça sera une très belle chose. Donc je vais mettre les liens sur la page. Si tu es en diaspora, même si tu es même à Bordeaux, c'est n'importe quel coin de la France, venez soutenir la culture camerounaise. Parce que notre culture dort. Le Camerounais, on n'entend plus parler. Si on n'avait pas les Lazy Ponce, si on n'avait pas les Pourquoi Yanter, les Katino, les Grâces des Cas, les Caresses Photos, c'est qu'on n'entend même plus parler de la musique camerounaise. Parce que ces femmes-là font des efforts pour être toujours là. Et aujourd'hui, nous irons soutenir le ballet de la diaspora. Ils vont présenter le successeur, c'est Ngutum, en patois. Ils vont danser, ils vont nous montrer des merveilles. Donc je vais mettre tout le lien sur l'antenne de cette directe. Et les gens peuvent aller commander vos tickets. Venez nombreux, nous allons vous amuser. Je serai là parce que c'est subordonné par Jaguar Amoti, l'épouse du président Amoti. N'oubliez pas aussi mon application Tap Tap Sen avec mon code promo Lolo237. Allez soutenir votre star. Dès que tu télécharges l'application dans ton téléphone, dès ton premier envoi, si tu envoies 10 euros au Cameroun, moi Lolo je te donne 5 euros. Ça te fait 15 euros avec mon code promo Lolo237. Je vous aime, je vous adore. N'oubliez pas aussi que je serai du côté de Vupental le 15 juin, soutenir la culture camerounaise aux côtés de la star Lazy Ponce. Voilà. Nous sommes ensemble pour le moment. La télé revient bientôt. Vous savez, j'ai eu un problème. Nous avons commandé les chaises de la télévision. Ben, ils sont arrivés pour livrer. Je n'étais pas là. Parce que c'était à Paris. Ils sont repartis avec. Et maintenant, nous sommes obligés de recommander à nouveau. La télé va bientôt venir. Nous sommes en train de préparer les choses. Ce n'est pas facile parce que maintenant, on va vous montrer les vraies choses. Voilà. La télévision de la paix, la télévision de l'amour, la télévision de la résistance, malgré contre haut et les bas, les congés de maternité, hein, les arrêts maladie de notre télé, nous sommes toujours là. Congés maternité, arrêt maladie, arrêt de violence, arrêt de clash, arrêt de ceci, nous sommes toujours là. Donc continuez à soutenir la page de Tata Lolo TV en partageant massivement mes posts, en likant les posts, et voilà, nous sommes ensemble. Et en ce qui concerne Achille Dikolo, ma chère petite sœur Rebiaï, comme je viens de dire encore dit ça à Achille en inbox, ne te mêle plus de l'histoire d'Achille Dikolo. Achille Dikolo avec Gossa, ils ont coupé le sang. Achille Dikolo voit Gossa. Ils sont ensemble, ils binent toujours ensemble. Achille Dikolo ne sait jamais. Ce qui vous raconte, qui dit qu'il y a quoi après, il ment. C'est des gens que je connais. Je ne le connais pas dans Facebook, je le connais dans la vie réelle. Achille Dikolo, il a Gossa dans le sang, dans ses veines. Ngossa Achille Dikolo dans ses veines. Aujourd'hui, ils vont se remettre ensemble. Et surtout, ils ont un enfant ensemble. Ils vont se remettre ensemble. Ne paye plus tes invitations, c'est à eux de te payer. Tu es sûr que moi, on ne me paye pas. Qu'est-ce qui vous rend soi-même bête là? Tu es même normal. Tu es folle. Donc, quand je suis parti au concert, moi, j'ai payé le concert. Tu es malade. Ça va pas dans ta tête. Tu me prends pour qui? Tu es sûr que vous racontez mon histoire. Vous savez pas qu'on en est. Nous, les blogueurs, on a des vies cachées. Tout le monde veut devenir, tout le monde va avoir les pages Facebook parce qu'on leur a dit qu'il y a la monétisation. Donc moi, je pars dans l'histoire, on ne me donne pas l'argent. Tu es folle ou quoi? Ça va pas dans ta tête. Ceux qui achètent mon vêtement, hein? Ceux qui achètent mon vêtement, quand les pages, attends, je vais te bloquer parce que tu allais écouter les conneries dans les pages des gens, tu vas me repousser, tiens, dégage. J'aime pas les gens comme ça. Voilà ça. Ma chérie, ah, tiens, les gars, pour ma TV, je vais te débloquer. Je vais te dire pour moi-même. Pour ma TV, même la mienne, les télé, on paye. Quand tu fais Secret Story, on te paye. Il y a Secret Story. Quand tu fais les émissions de télé, on te paye. Il y a les émissions de télé où le pleut. TF1 loge même à la personne à l'hôtel. Qui vous a pas dit ça? Pourquoi les Africains, vous êtes comme ça? Quand tu prends Air France, TF1 te loge à l'hôtel. Quand tu veux faire une émission, tu viens à Paris, ils te logent à l'hôtel. Tu sais pas ça? Ils te payent ton train. Ils t'achètent un billet de train. Tu sais pas ça? Tu sais pas ça? Si je fais venir quelqu'un à ma télévision et que je l'achète son billet de train et il est logé, ça veut dire que j'ai acheté quelque chose? Non! Je n'ai pas acheté. Je n'ai pas acheté. C'est ce que je veux aussi. Voilà! Je n'ai pas acheté. Je la mets aussi. Voilà! C'est la télévision. Tu vois, il y a quelqu'un peut être là. Il a de la vie de venir à ta télévision. Mais il n'a pas les moyens de transport. Tu fais comment? Tu l'achètes un billet de train ou le problème? Il faut arrêter, hein? Moi, je ne suis pas chiche, moi.
Je suis pas chiche. Je me mets à la place des autres. Donc, et j'ai dit encore quoi? Achille Dikolo. Les photos là qu'on a publiées, là, c'est Achille qu'on a publié. C'est Achille qu'on a publié nu. Son bandier, vraiment, mon frère, beaucoup de soutien. Je sais ce que tu dis en ce moment. Ce n'est pas facile de voir sa nudité se balader dans les téléphones des gens. Et dans la, vraiment, c'est très, ça fait très mal. Mais, dis-toi que c'est arrivé. En voulant chercher le coupable, tu risques de durer dans mauvais rêve. C'est ma fait, en voulant trop chercher le coupable, je suis resté longtemps sur ça. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis passé à autre chose. Et ma vie, voilà, je m'en fous un peu. J'avais porté des plaintes aux gens. Aujourd'hui, si on m'appelle encore pour dire que la plainte, que non, laissez ça tomber, moi, je suis passé à autre chose. Et même jusqu'à aujourd'hui, j'ai déposé une main courante pour les personnes qui m'ont menacé de me publier à nouveau. J'ai déposé une main courante à la police de Reims. Le moment venu, on sera les coupables. Donc, je vais la débloquer, chérie, je vais la débloquer. Je vais la débloquer, je vais aller pour le téléphone, je vais la débloquer, je me suis trompé, c'est qu'elle n'a pas parlé, maman, je m'excuse. Hein. Donc, mais ne jamais boire le caddie, il a une affaire de 100 caleçons. Parce que la fille qui parle avec Achille, mais demain tu peux le voir ensemble. Ne jamais, surtout l'affaire de Ngossa et d'Achille Dikolo, ne bois pas le caddie dans ça. Je connais le personnage, Anoui. Il est là, il suit ce qu'il dit. Je l'ai envoyé le message ce matin, qu'Achille enlève ma scène dans toutes choses là. Ne parle plus, voici ça non. L'affaire d'Achille est compliquée. Vont voir Simi, comment ma star. Donc je n'ai rien pointé aujourd'hui concernant 20. Je crois que j'ai même pointé 100 euros. Voilà ça. Et le jour que tu as venu ici à Reims pour briller, je me dis, c'est pas moi, je n'avais pas le compteur avec toi depuis longtemps. C'est toi qui m'avais appelé pour me dire que tu es à Reims et qu'on va se rencontrer. Quand on s'est rencontré, rappelle-toi, devant le supermarché, tu m'as dit, je t'ai dit que tu m'as dit qu'on fait le direct. Dès qu'on va faire le direct, je n'ai pas besoin que tu parles de Ngossa. Donc n'oublie pas ça. Je n'ai pas besoin que tu parles de Ngossa. Commence pas à faire le poudre, tu ne vas pas parler. Moi, je vais seulement te poser la question, genre pour faire un petit peu. Tu savais que je t'avais dit que je ne veux pas que tu parles de Ngossa parce que je ne veux pas te mettre avec problème. Mais depuis quand on parle de ça, tu fais comme si tu es innocent. Tu, alors que tu connais la vérité, que je n'avais pas les intentions de parler d'elle. Moi, j'ai laissé les messages du coup du matin que je ne veux plus. Il m'a dit que oui, non, ce n'est pas ça, c'est parce que il connaît la personne avec qui il a fait, mais qu'aujourd'hui il a décidé de passer à autre chose, de ne plus en parler. Il dit que c'est mieux, de ne plus en parler parce que toi avec Ngossa, vous allez toujours voir ça. Il m'a dit que non, il était à Paris, voilà, j'ai dit que bon, ça le regarde quoi. Mais c'est temporaire, ça toi au moins tu m'as donné 50 euros. On nous a dit qu'il s'est publié tout seul, non, il ne s'est pas publié seul. Il a été capturé, donc il parlait avec une personne. Il était capturé. Oui, oui. Il était capturé. Il savait qui. Il m'a dit la personne, mais je ne peux pas. Je n'ai pas envie de parler de ça. Mais il se manque de soutien, beaucoup de courage. Moi aussi, je suis passé par là, mais dis-toi que c'est la vie. Hein. Voilà, on ne va pas mourir parce qu'il y a des gens faibles qui sauvent la vie parce qu'ils ont vu la nudité dans les réseaux sociaux, qui se suicident. Tout ce que je peux dire sur ton cas, c'est d'être courageux. Voilà, rien n'est facile. Quand tu vas même imaginer qu'on peut envoyer ça à ta mère, on peut envoyer à ton enfant, on peut envoyer à ta... Voilà, c'est très difficile, mais ça va passer. Avec le temps, tu es un grand garçon, ça va passer. Mais je veux plus que tu mêles, parce que j'ai vu rêve monter, c'était une capture d'écran. C'est ma soeur, c'est pas mon ami. Je veux pas qu'elle soit mêlée. Elle peut clasher Ngossa, comme le matin, midi, soir, là, elle a son problème particulier, Ngossa. Mais en ce qui te concerne, je ne veux pas, parce que je connais. Voilà. Et en passant pour la Team Vérité, je voudrais dire ici là que je n'ai jamais fait partie de la Team Vérité. Je n'ai jamais fait partie de cette team. Je ne marche pas avec les bipolaires. Je ne fais pas un groupe avec les bipolaires. Parce que moi, une bipolaire, ou des personnes qui savent qu'ils n'ont pas de... Des personnes... Moi, je marche avec quelqu'un, si je suis fâché contre quelqu'un, comme aujourd'hui, je suis avec ma âme sœur, je suis avec beaucoup de personnes, Nadège, Papa, Coco Kouetou, les gens avec le pasteur supérieur de Komamougou, les civils téniens, tous ces mondes-là. Si j'ai un problème avec elle, je n'aurais pas besoin de venir sur Facebook, commencer à dire, oh, toi tu vas... Non, je vais t'appeler au téléphone, nous allons en parler, et puis on va trouver une solution à ça.
Donc, mais moi, je ne veux pas être avec des gens que du jour au lendemain, ils peuvent placer ta caméra et t'insulter parce qu'il n'est pas d'accord sur telle, telle chose. Moi, j'ai soutenu le couple Messan. Je soutiens toujours le couple Messan. Mais je ne suis pas dans la team vérité. Et il le sait. Quand il a publié ses photos, dès que j'ai vu ça, j'ai appelé Nadej, il m'a appelé que je ne veux pas que ma photo, avant qu'il échange sur les images, j'avais déjà dit à Nadej que je ne veux pas que ma photo soit dans ce groupe. Parce que je ne fais pas partie de cette team-là. Parce que quand je vois tous ces gens qui sont dans les teams-là, il y a des personnes qui, même pour aller en guerre, je n'irai jamais en guerre avec eux. Merci Zazijou. Jamais. Et je ne veux plus que quelqu'un... Arrêtez de vous répéter que oh, quand il y aura un problème ici, je ne vais pas venir défendre telle personne et me défendre pas parce que je ne vous ai jamais appelé que venez me défendre. Celui que j'ai appelé un jour sur Meta qui vient me défendre sur la capture d'écran ou un voice. Je n'ai jamais appelé quelqu'un oh, viens me défendre. J'ai mes gens. Quand j'ai eu le poste l'année dernière, je savais que Coco était là. Je savais que Ren était là. Je savais que Nadej Mbappé était là. Je savais que certaines personnes, pasteurs supérieurs, qui a toujours été là, étaient là. Et mes faux profils, et mes vrais profils, et mes sympathisants. Je n'ai jamais appelé quelqu'un que, ouais, on est en train de me tuer. Viens m'aider. Jamais. Ceux qui sont venus m'aider, je leur ai dit merci. Et j'ai continué à leur dire merci. La prochaine fois, ne revenez plus. Laissez-moi me tuer. Arrêtez de vous répéter. Que quand tu auras les problèmes, je ne veux plus être, je ne veux plus. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Même Wakatolo qui m'a soutenu pendant des années. L'année dernière, quand c'était chaud sur moi, je ne l'ai pas appelé pour dire que ma fille vient me soutenir. J'ai respecté le fait qu'elle est sortie dans le monde des Camerounais. Je prends sur moi, même si je pleure, ce sont mes larmes qui coulent, ce n'est pas vos larmes. Laissez que ça coule jusqu'à. Voilà. Je n'ai pas besoin. Ne me défendez plus. Je n'avais jamais appelé quelqu'un. Ceux qui sont venus me défendre, je leur ai dit merci. Et je continue à vous dire merci. Mais ça n'a pas de moi. Il n'y a pas tout le chantage. La prochaine fois, ne venez plus. Même si on m'abat. Attends, je t'aime. Tu peux passer. Même si on m'abat, ne venez pas. Ne venez pas. Parce que chaque personne qui est venue me soutenir a aussi eu un soutien de mes Louloumania. Ce qui est sûr, c'est ça. Chaque personne qui est venue me soutenir sur la toile a eu aussi un soutien pour mes Louloumania que ça peut t'aider même pour ta bière. Quand on donne quelqu'un, on peut donner quelque chose à quelqu'un, c'est pas peut-être parce que la personne est riche. Même le riche a besoin de cadeaux. Même le riche a besoin de cadeaux. Donc même si tu es riche, et que quelqu'un m'a donné le cadeau de 1 euro, c'est beaucoup. Mais Lolo Magnon a été heureux. Elles ont toujours été reconnaissantes avec toutes les personnes qui m'ont soutenu. Oui. Je ne dois rien à personne. Parce que moi aussi, j'ai soutenu les gens dans les réseaux sociaux. Je n'ai jamais fait chanter quelqu'un par rapport à ça. Mon premier clash avec les abeilles, c'est parce qu'ils n'ont pas soutenu une personne qui l'ont encerclé. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas le papa des jumelles, c'est une autre personne. S'il y a une abeille ici, il peut vous rappeler ça. J'étais le sapeur-pompier de Facebook. J'ai soutenu beaucoup de personnes à la toile. C'est maintenant qu'il dit que j'arrête ça. Donc, pardon. Arrêtez de répéter. De vous répéter. C'est comme si vous culpabilisez sur quelque chose. Ne vous répétez pas sur les mêmes choses. Ne vous répétez pas. Quand vous avez pris une décision, restez sur la décision là. Et voilà pourquoi je ne parle plus des gens sur ma page. Je parle des personnes avec qui je m'entends bien. Et s'il arrive aujourd'hui que je m'entends mais avec cette personne, je n'aurai pas besoin de vous pour le clash. Laissez-nous, on va se clasher. Avant que vous les viennez, suffit, on s'est clashé déjà. Mayamse et moi, on s'est clashé déjà depuis une kinda. Depuis forme. On se connaît. Et la dernière fois que le monde a eu le problème, c'est moi qui t'allais faire un poste pour aller à son encontre. Si elle me dominait autant, je ne vais pas le faire. On se respecte. Moi, je respecte mes amis. Voilà pourquoi vous croyez souvent que je suis soumise. Je ne suis pas soumise. C'est que je vous respecte. Quand je suis ami avec quelqu'un, je respecte la personne là. Je me fais petite devant ces personnes parce que je suis humble. Mais personne ne me domine dans la vie. Je dis personne ne me domine dans la vie. Même mon père et ma mère ne me dominaient pas. Quand ils voulaient fuguer, je fuguais. J'étais têtu. Ma mère me parlait. Elle ne me commandait pas.
Elle me parlait, elle me disait John, elle même me dolotait même. Personne ne me domine. Mais j'aime être humble, je suis quelqu'un qui est respectueux. J'ai le cœur sur la main. J'aime être me faire petite. J'aime accepter les caprices. Accepter les caprices, c'est quelqu'un qui ne veut pas dire qu'on a peur de la personne. Voilà, il ne me dominait pas. Merci maman, c'est que papa. La langue, il ne me dominait pas. Il ne me dominait pas. Voilà. C'est pour ça. Non, c'est, je sais qu'on dit il ne me dominait pas, mais c'est quand je suis parfois énervé, hein, ça. C'est les mots bloquent dans ma bouche, quoi. Donc, Mayamse et moi, nous sommes ensemble. Et ça ne choque pas. Je n'ai jamais vu une réconciliation dans les réseaux sociaux qui font autant parler. On sort, ouais, t'as frappé le pied. Oui, c'est mon pied qu'elle a frappé. Ça vous fait mal, pourquoi? Vous le savez que demain, il peut aussi frapper son pied. Vous n'avez pas honte? Les grandes personnes qui se comportent comme des gamines à déquitter le direct des deux femmes. Vous n'avez pas vos hommes dans la maison. Vos hommes n'ont pas. Vous n'êtes pas assez heureuse dans vos foyers pour vous occuper des faits et gestes de deux femmes. Vous n'êtes pas les chicken tuis. C'est les femmes qui regardent les histoires des femmes. Vous n'êtes pas les chicken tuis. Nous, on s'amusait. C'est ma âme sœur. Je n'ai pas besoin d'être comme elle. L'autre a dit qu'on l'invite partout. Même si on l'invite au ciel. C'est vous qui enviez sa vie. Moi, je ne l'envie pas. Je l'encourage, mais au contraire. Oh, elle est partie. Les enfants, les cinq ne sont pas les mêmes. C'est vous qui envoyez vos enfants aller se prostituer. C'est vous qui envoyez vos enfants aller voler. C'est vous qui envoyez vos enfants aller faire du n'importe quoi. Parce que vous aimez comparer les gens. Acceptez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes. Arrêtez de vouloir faire comme les autres. Arrêtez de vouloir faire, de vivre la vie des autres. Comme on a invité Flo au Cameroun, on doit m'inviter aussi au Cameroun. Quand Flo est parti en France, il doit partir aussi en France. On peut parler aux États-Unis, il doit partir aux États-Unis. Non. Moi, je n'ai jamais vécu comme ça. Je me contente de ma petite vie et je suis heureuse dans ça. Oh, quand Flo signe les contrats, l'autre signe les contrats, j'ai mes contrats. Ça me suffit. Kataf, c'est ma paye hier. En tant que salarié, quand elle vient dans une soirée, je suis payé. Mon billet d'avion, tout le monde montre, où mon billet d'avion de l'AFSIC, quand je suis parti à la conférence, c'était 400 euros. Je peux vous montrer mon billet, 400. Ne jamais envier quelqu'un. Oh, j'y reste, Carole, bisous là-bas. Ne jamais envier quelqu'un. Quand tu envies quelqu'un, ça te rend aigri. Ça te rend sorcière. Tu perds le sommeil. Tu peux m'avoir l'ABC. Ça peut t'amener à la mort. Ne jamais regarder la chose d'autrui. Ne jamais envier quelqu'un. Contente-toi du peu que Dieu te donne. Il y a des filles ici qui sont arrivées ici en Europe. J'ai une amie. Elle est restée en Afrique. Toutes ses copines sont arrivées en Beng. Toutes ses copines sont arrivées en Beng. Personne ne l'appelait plus. On n'était même plus au courant d'elle. Un jour, je l'ai appelée au téléphone. Il dit, ma chérie, bats-toi. Tu vas en tremper. Bats-toi. Tu es encore jeune, ne perds pas espoir. Cherche ton réseau. Je l'ai motivée. Quelques mois plus tard, elle m'appelle et me dit que à 20h06, elle me dit, je suis en France. Je vous dis qu'à l'heure actuelle où je vous parle, les filles qui ont fait 25 ans de bain ne l'atteignent pas. Elle n'a même pas encore fait 5 ans ici, même 3 ans. Même moi qui suis, je ne peux pas parler devant elle. Même moi qui suis assise là, je ne peux pas parler devant ma soeur là. C'est pour vous dire que chaque chose a son temps. Ne jamais regarder la chose détruite. Ne jamais envier quelqu'un. Le Seigneur va vous bénir, ton jour arrivera. S'il est dit que tu seras, tu seras. Ce n'est pas peut-être parce que Flo est parti. On a invité Flo ici qu'on va aussi m'inviter. Non. J'ai dit non. Ma soeur là, ces filles qui sont en bain, ces filles qui sont venues trouver en bain, non pas la vie qu'elle a. Elle a trouvé un homme, un vrai, un propriétaire. Elle a assise là, sans enfant. Elle a couché sa part d'enfant dans le foyer là. Après combien d'années, ses amis qui l'avaient oublié au Gabon sont devenus ses meilleures copines aujourd'hui. Moi qui l'avais appelée pour la motiver, elle ne m'appelle plus.
Je ne me plains pas, mais je suis heureuse parce que j'ai eu à motiver quelqu'un dans la vie. Même après 100 ans, elle parlera de moi. Elle dira que c'est Lolo qui m'a appelé. Elle pleurait comme un enfant au téléphone. Le jour que je l'ai eu au téléphone, elle pleurait comme un enfant. Elle dit que je vais mourir. Si tu me vois, je ne ressemble plus à rien. Une fois qu'elle est venue devenir riche, elle ne connaît plus Lolo. Elle connaît maintenant ces gens qui l'avaient abandonné, qui l'ont même abandonné à l'aéroport quand elle est arrivée. Donc c'est pour vous dire que je ne suis pas la fille d'un pauvre. La vie ne m'a pas surpris. Je ne suis pas une parvenue. Je suis une personne qui est très humble. Je n'ai jamais envié les gens. L'envie, je ne connais pas envier quelqu'un. C'est vous qui envoyez vos enfants aller vous prostituer. C'est vous qui envoyez vos enfants aller voler. Dieu m'a appelé c'est Karim Bouddha. C'est vous qui avez, vous connaissez mon destin. Vous connaissez mon destin. Vous connaissez ce que Dieu me réserve. Vous qui êtes là pour juger la vie des gens. C'est vous qui détournez la jeunesse camerounaise. Avec vos commentaires, vos comparaisons à deux pales. Contentez-vous de ce que vous avez. Si c'est la Guinness que Dieu te donne, bois ta Guinness. Le jour que tu n'as pas, tu dors. Tu peux faire tous les efforts du monde. Mais tant que Dieu a dit que ton moment n'est pas arrivé, tu ne pourras rien créer. Voilà les pousseurs là, tous les jours, on avait dit que Fonction Victor avait vendu les archives pour devenir riche. Les gens vendent les archives tous les jours au Cameroun, mais ils ne sont jamais devenus riches. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur destinée. Je ne suis en compétition avec personne. J'ai même pas la vie que j'ai là. Il y a beaucoup qui rêvent d'être à ma place. Il y a beaucoup qui rêvent d'être dans un appartement. Sur les Champs-Élysées de Reims, à Coulancy. Pas dans un HLM, dans un privé. Il y a beaucoup qui rêvent d'être assis là, que quand le vraiment, elle est bien. Beaucoup rêvent d'avoir une carte vitale qui part à l'hôpital, ils se soignent gratuit. Ils ne payent même pas 5 francs. Dieu m'a donné ça. J'ai dit merci Seigneur. Beaucoup rêvent d'être que tu as fermé ma main. Tu parles que ma main voit l'assistance sociale, elle te donne un ticket restaurant que prends, va manger. J'ai fait une heure, vous me dites, je pars. J'avais non. J'ai oublié de me débloquer la fille que j'ai bloquée là. Vraiment, je suis quand même. C'est pour ça que j'ai bloqué mon fils au baron pour aller monter. Je ne me suis pas rendu compte. Ah. J'ai bloqué mon fils au baron pour aller monter l'autre jour. Vous croyez que ça me compare à Flore, que ça va créer des problèmes entre nous? Non, on connaît à votre manipulation. On connaît déjà votre manipulation, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. La manipulation est terminée. Continuez à faire des... Ne créez pas des concepts, continuez à parler de nous, on va vous servir ça. On va vous servir, attendez qu'elle va rentrer. On va vous servir, on va vous donner les sujets, les débats. Vous n'avez que parler de nous. J'étais débloqué, ma chérie. Arrêtez de vivre pour le regard des autres. Chacun est heureux à son niveau. Si tu n'as pas d'argent, forcément, tu as la santé. Merci, ma petite soeur, Karim Bouddha. Trop de manipulation, vraiment. Je vais vous dire ça. Vous connaissez combien d'Africains sont dans la Méditerranée aujourd'hui en train d'attendre comment faire pour arriver en Europe? Vous connaissez combien d'Africains sont morts dans le désert parce qu'ils veulent arriver où je suis? Vous connaissez combien de familles ont enterré en terre les enfants parce qu'ils ont tenté d'entrer en Europe. Ça n'a pas réussi à rapatrier leur corps. Vous connaissez combien? J'ai dit merci Seigneur. Merci mon Dieu. Parce que étant où je suis là, même si ce n'est pas l'immeuble, mais dans ma famille, on connaît que s'il y a un problème, Lolo peut envoyer 100 000. Lolo peut envoyer 50 000. Lolo peut payer les frais d'hôpitaux d'un de nous si on tombe malade. On sait qu'elle est là. Lolo peut aider. Mon petit frère qui est au Cameroun, il sait que non. Si ça ne va pas, ma grande sœur est là. Si j'étais au Cameroun, j'aurais pu faire ça. Non. J'ai dit merci à Dieu tous les jours. Le bonheur, c'est que quand on ne se limite pas sur les biens matériels. Il y a beaucoup de choses. Donc je dis merci à Dieu tous les jours que je me réveille. Que merci. Peut-être ma mère serait morte. Ma mère serait morte et serait au Cameroun. Je devais souffrir. Parce que ma mère qui m'aidait quand ça n'allait pas sur moi, au rêve. Mais s'il a choisi que je sois là, et que bon, au moins elle est là-bas, elle sera protégée sur beaucoup de choses.
elle serait épargnée sur beaucoup de choses. Vous savez combien les filles s'élèvent au Cameroun, elles n'ont même pas de quoi manger. Rien que la santé que j'ai là, c'est déjà beaucoup. Merci, Jiresse Carole. Rien que la santé là. Vous allez dans les hôpitaux pour voir comment les milliardaires n'arrivent même pas. Même pour pas arrêter la cuillère pour se servir comme s'ils n'ont plus la possibilité. Qui respire à travers les appareils. J'ai dit merci à Dieu. Allez au fait, mais je suis plus heureuse que vous un milliard de fois. Parce que hein, je profite bien de la vie. Contrairement à vous, vous ne profitez pas de la vie. Vous avez tout ce que vous avez là, mais vous êtes malheureuse. Vous n'êtes pas épanouie. Vous êtes des femmes coincées. Vous êtes des femmes coincées, vous êtes des femmes malheureuses. Moi, je suis épanouie. Ouais. Quand j'ai envie de sortir ce week-end, je sors. Dimanche, je suis invité. Je m'en vais manger la vie à Paris. Le lundi, je rentre parce que nous, on commence l'école lundi. Je m'en vais manger la vie lundi, ma fille pas à l'école. C'est trop. Je suis obligé d'être à la maison parce que je m'occupe de mon enfant. Je suis pas dans les hôpitaux, vous allez trouver les gens, comment ils sont en train de mourir. Vous êtes en train de me fatiguer tous les jours. C'est vous qui me nourrissez. J'ai la chance. Vous connaissez combien de personnes rêvent d'avoir un blog comme moi, d'avoir un blog dans les réseaux sociaux, d'être suivi par des milliers de personnes, d'être star dans les réseaux sociaux. Je meurs là maintenant, c'est vous qui allez faire mon deuil. Si je meurs là maintenant, mon deuil sera international. Il y a des gens qui meurent. Dans les vidéos, on ne sait même pas s'ils sont morts. Si je meurs là maintenant, je crée ma communauté dans les réseaux. Vous croyez que, vous savez pas, vous connaissez le nombre de personnes qui rêvent d'être à ma place. Quand je suis suivi par plus de 700, 800 personnes, un dirait que je n'ai même pas prévu que je devais faire. Vous connaissez combien de personnes me jalousent parce que je suis une grande blogueuse. Elles sont devenues des stars. Elles veulent devenir mes rivales parce qu'elles veulent qu'on parle d'elles par rapport à moi. Qui aurait cru hier que certaines femmes devaient s'accrocher à moi, à mon nom pour être star dans les réseaux sociaux? Qui aurait cru? Qui aurait cru que certains milliardaires, sans prononcer mon nom, ne veulent pas avoir de visibilité? Qui aurait cru? Voilà, c'est pas ma page Facebook qui dépasse vos milliards. C'est pas ma page Facebook qui dépasse vos immeubles. Parce que je suis connu. Vous, on ne vous connaît pas. C'est moi le fait que je connais. Je peux m'asseoir là. J'ai un problème. Tape le litier, que met le litier, que met l'olomania. Mais Seigneur, tu m'as béni, mon Dieu, mon roi. Je suis une bénédiction divine. Merci, Seigneur. Vous connaissez pas. Possible, Mireille. Qu'est-ce qu'il y a là, mon Dieu? Je suis inspiré, moi, tu vas encore me couper. Vous connaissez quand même les personnes que je me place dans le Dieu, m'a dit que met l'olomania. Ça, le loi a un problème de 2000, 3000 euros. Je dépose le litier. Le monde entier, les inconnus viennent cotiser. Beaucoup de gens rêvent de ça. Beaucoup de gens rêvent de ça. Elles sont jalouses parce qu'elles n'ont pas la capacité de réunir les lolomaniens, d'avoir une communauté dans les réseaux sociaux. Elles sont tout simplement jalouses. Moi, j'ai une communauté. J'ai une communauté. Avec l'argent de ma communauté, je peux construire maison au Cameroun. Sans bouger dans mon cas. C'est moi assis sur mon tabouret, sur ma chaise. Avec l'argent de ma communauté, mes étoiles, je construis un immeuble au Cameroun. Je dis merci au Seigneur parce qu'il m'a donné ce que d'autres n'en ont pas. Ils sont capables même de tuer, mais ils n'auront pas ça. Pourquoi je ne peux pas dire merci à mon Dieu quand je me réveille le matin? Que j'ai mon général Lomaya qui dérange ma yamsel, Lolita, la baronne de Suisse. Hein? Que j'ai mon général Lomaya quand ça y est de beau, ça le voit, ça y est de beau, ça me dit tata Lolo. Non, le Lomaya dérange. Il y a une là qu'on appelle le général Lomaya. Elle m'a dérangé. Quand je vois une grande combattante comme ça, de Boston, dit qu'elle était touchée par mes Lomanias. Vous croyez que je ne suis pas heureuse d'avoir ces gens qui, même qui ne me connaissent pas? Je suis fière de moi. Ah oui, je suis fière de moi. J'arrive à jeûner mes deux bouts grâce à ma communauté. C'est donné. Oui, je suis capable de faire une tontine de 1500 euros tous les mois grâce à ma communauté. Qu'est-ce que vous croyez? Vous m'enviez. Vous m'enviez. C'est l'envie. C'est les pleurs. C'est que je dis que plus de clash, plus de guerre avec Mayam. C'est parce que Mayam, c'est une adversaire redoutable. Alors quand je suis en paix, Mayam, c'est la mère d'avancer, le Seigneur m'a parlé dans ses activités. Et c'est une place. J'ai mes soeurs, ma petite sœur Mbiaï, j'ai Nalé, j'ai Mbapa qui s'entend très bien avec moi. J'ai Coco Kotel qui s'entend très bien avec moi. Voilà mes personnes, ça c'est mes gens de confiance. Elles ont accepté ma paix. Ce sont des qui étaient importantes pour moi. Que j'aurais peut-être dit que bon, c'est mais le Lomania, tant que mes Lomania ont accepté, ma NASA le Lomania a accepté, mais mes plus proches ont accepté, vous qui? Vous avez compris que vous avez une nuit,
laver mon matin, midi, soir, décrypter mes habits, décrypter ma bouche, décrypter mes lunettes, décrypter mes pieds, décrypter tout ce que moi je m'en bats. Je n'en ai rien à foutre. Je suis une star. Et j'ai un impact dans vos vies. Parce que si je n'ai pas un impact, vous ne devez jamais parler de moi. D'accord? Voilà. Ce n'est pas n'importe qui a une communauté dans les réseaux sociaux. Ce mois-ci, j'étais payé. Je n'ai jamais eu moins de 1500 euros de salaire dans Meta. Depuis que je suis dans le réseau, depuis qu'il y a la monétisation Facebook, si je mens, celle qui veut discuter même 1000 euros, je te mets les preuves et ça vient dans mon compte bancaire. Vous aimez trop parler. Celle qui discute, je la mets, je te mets sur les fesses, je te montre ça aura. Que voilà ça. Je suis fier de ma communauté. Je dis merci à mes Lomaniens. Je dis merci à mes sympathisants. Je dis merci à toutes ces personnes-là qui m'aiment dans le monde. Et les amis de la paix, vous n'allez pas me faire tomber. Rien. Nous sommes là, Balata. Vous croyez que c'est donné à n'importe qui? Vous croyez que c'est les milliers de femmes? Même ceux qui veulent faire le buzz avec la chienne, c'est parce qu'elle veut vendre des cosmétiques, elle veut se faire connaître. Je sais que ma sœur, elle ne fait pas ça pour rien. Hein. Je ne te mets pas à dire tous les jours, tu parles. Dis-moi, vous, femme, on y où? Vous, femme, on y où? Elle n'a pas peur les gens prier. Vous, femme, on y où? Tu signes des cachets comme vous voulez que je parle, je donne moi 1000 euros. 1500 euros, je parle, ne parle pas pour rien. C'est comme ça. Ça ne choque pas. Les ennemis de la paix, ça ne marche pas. J'ai ma communauté. Je mets ma communauté dans mon terri. Vous avez compris? Si j'ai soif, je n'ai pas demandé à ma communauté, mais donc c'est le travail que j'ai fait. D'occuper ma communauté, d'occuper mes followers. Quels sont les travails qu'ils ont besoin de moi? Quels sont la mesure qu'ils ont besoin de moi? Quels sont en dépression qu'ils ont besoin de moi? Quels sont en déprimés qu'ils ont besoin de moi? Quels sont en soucis qu'ils ont besoin de moi? Quels sont en malheur qu'ils ont besoin de moi? Vous connaissez combien de personnes j'accompagne à l'église hôpitaux quand je suis en live? Vous connaissez combien de personnes j'accompagne dans les maisons, qu'elles sont en dépression, que j'accompagne dans les maisons? Vous connaissez combien de personnes j'accompagne dans le boulot, la nuit, quand ceux qui font les personnes âgées qui travaillent dans la nuit, je les accompagne grâce à mes directs. Vous connaissez combien? Elles sont nombreuses. Alors je mérite des étoiles. Je mérite un salaire. Voilà pourquoi Zuckerberg n'a pas été bête. Vous les noirs, vous êtes tellement méchants. L'homme noir est une méchanceté qui n'a pas de nom. Le blanc a compris que les followers, les blogueurs, les acteurs des réseaux sociaux, ils jouent un grand rôle. Voilà pourquoi nous allons monétiser leur page. Parce qu'ils nous apportent et nous aussi on doit leur donner. C'est ça. Zuckerberg a dit maintenant ça sera payant. Nous aussi, nous allons vous donner. On prend les publicités, on met dans vos pages. Vous avez des gens qui vous regardent. Et ces gens qui vous regardent là, à travers vous, ils peuvent regarder une publicité chez nous, ils peuvent acheter un produit. Et ce produit-là, celui-là gagne, celui qui vient payer la publicité chez nous, chez Zuckerberg, nous on met dans vos pages, vous faites relayer, vous faites des directs où on met nos publicités. C'est donnant-donner. Mais chez vous, les noirs, allez travailler. Quand ça vous dépasse, après on le voit, ils deviennent des blogueuses dans l'obscurité. Sortez, assumez-vous. Après, on le voit, ils commencent à faire semblant dans les directs, à boyer. Après, tu entends qu'elles sont déjà devenues les blogueuses. Sortez, on vous voit. Venez parler comme ça, visage découvert. Venez parler avec les carteuses et la pipitologue, la plus pauvre de Facebook. Venez, nous parlons, vous voir. Parce que vous enviez. Vous criez. Vous faites voir négativement. Parce que vous voulez une place sur le soleil. Vous voulez une place sur la toile. Vous n'aurez jamais de place sur Facebook. C'est nous qui fabriquons l'intérêt. Mayam Se et moi, on va vous boycotter. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons maintenant vous boycotter. Mais ce n'est pas qu'elle est Lomania. J'aime Lomania, elle a ses abeilles. Mais quand il faut faire alliance pour nuire aux ennemis de la paix, nous allons vous nuire. Pas qu'on va venir vous taper ou vous clasher. Non. Nos followers savent déjà ce qu'il a fait. Ils ne savent pas de signer la page de quelqu'un. Non. Chacun reste dans la fenêtre. C'est tout. Et ça ne choque pas. Ça vous fait mal. Oui. Ça ne choque pas. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes fatigués. Voilà. Je suis reconnaissant avec toute personne qui m'a apporté le soutien. Mais ne revenez plus demain. C'est pour me faire chanter. C'est pour me rappeler un matin, midi, soir. Ne revenez plus demain. Et j'assume ce que j'ai dit. Toute personne qui est venue me soutenir. Mais le Lomania était reconnaissant. Toute personne. Parce que mes Lomanias sont reconnaissants. Que oui, cette personne a un grand cœur. Cette personne était là pour Tata Lolo. Et nous l'avons apporté notre soutien. Pour dire merci. Même si c'était 1 euro. Même le milliardaire a besoin du cadeau. Sinon, il y a un milliardaire de fait, vous n'avez pas demandé que donner dans les étoiles. Les étoiles là, si on devait seulement 1000 euros d'étoiles par mois, ça peut te remplir, ça peut même t'aider
a fait même une petite tontine qui peut même t'aider, m'a soulevé même par peine d'un côté de la maison. C'est déjà beaucoup. Donc, je reste où je suis. Merci, je reste. Mais je ne suis pas de la team de vérité encore. Je rappelle ça que je ne suis pas. Quand les photos sont sorties le même matin, j'ai écrit à Nadège papa. Elle m'a dit, Lolo, tu as raison. Mais le grand frère a déjà fait. On va faire comment? Après, il y a une blogueuse qui est sortie. Elle a fait une vidéo que je n'ai pas aimée. J'ai demandé qu'on enlève ma photo. Et ma photo était enlevée comme j'ai demandé. Elle était retirée. Voilà. Je suis la plus faible. Je sais qu'on ménage, je sais qu'on manipule, je sais qu'on fait, je suis tout. Je suis la moumou, je suis tout ce qu'on pouvait dire. Mais ce n'est pas grave. Je soutiens M. Messam à une place. Je ne vais pas être une bande. Parce que du jour au lendemain, certains peuvent sortir la place, même le même M. Messam là. J'aime marcher avec les gens qui ont l'esprit du groupe, comme Nadège Mbappa, comme Coco Kouitou, comme Rêve Biaï. Elles ont l'esprit du groupe. Quand ça ne va pas, Nadège m'appelle, elle me parle. Elle me dit, Lolo, non, j'aime pas ça. On s'écrit. Parfois, on se dit des mots durs. Mais on réussit à se comprendre à la fin. Quand tu le vois devant les gens, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Parce qu'on a l'esprit du groupe. Même le général Lumala, vous ne pouvez pas imaginer comment j'ai fini souvent avec elle ici. Lolo, la puissance, même ne dérangeait pas. C'est le général Lumala. Il y a le général Lumala, Gloria Luis, Glolo Gloria, les filles là sont, le baron Prado Monte, mon fils, là, c'est les gens qui sont durs à un niveau. Elle fait un bon pis, c'était comme ça, mais elle est devenue, elle comprend maintenant. Vous êtes fatigant, je passe, frère, je framponne. Et le pasteur supérieur de Kouamou va demeurer, mon frère, à vie, dans les réseaux sociaux. À vie, dans les réseaux sociaux. Quoi que vous fassiez, je ne vais jamais arriver à ce niveau-là avec lui. Parce que c'est un vrai homme. C'est un vrai homme. Donc, ne venez pas me soutenir. Mais le Lomania, les sympathisants, la télé revient. Notre télé, c'est une télé qui est souvent en maternité. Cette fois-ci, j'étais en maternité. Oui. Congé de maternité. Il y a le congé de maternité, il y a le congé de... Donc la télévision était en congé. La télévision revient avec des nouvelles. Vous allez voir. Beaucoup veulent imiter mon concept. Ils sont dehors. Vous voyez, quand on vous dit que ce n'est pas d'être intellectuel. Moi, je ne suis pas là à l'école. Mais j'ai créé un concept que même les intellectuels veulent voler. Même les intellectuels veulent voler. Et ils ont dit que elle n'a pas fait les grandes études. Elle dit que j'ai là, dit que, mais dans mon j'ai là, dit que là, Dieu m'a donné une sagesse, Dieu m'a donné quelque chose. Bien dit que j'ai créé ma chose, vous venez voler. Ça ne peut pas donner avec vous, ma. Ça ne peut pas donner avec vous. Invitez même tous les grands stars du monde. Ils sont même venus à côté de moi pour voler mon concept pour aller faire. Ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas. C'est moi qui vous dis ça. Venez même sans. Venez même sans. La télé web est dans les réseaux sociaux, dans la diaspora camerounaise. C'est la télé web de Tata Lolo et il n'y a pas son match. Nous, la télé est en vacances. Merci, monsieur Sanga. La télé est en vacances. Beauty Full Candy. Merci. Ma télé est en vacances. Oui. Il y a, venez, la concurrence est très bien. Quand vous faites la concurrence, ça me plaît jusqu'à.